je reviens du gym, fait que je t'habille comme ça. Puis on va assumer puis avoir mal aux yeux tout au long de la vidéo à cause de mon gilet trop fluo. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Go! Le cul du chat vous empêche de me voir. Bon! Ah. T'avais-tu quelque chose d'autre à faire ou... C'est le plus gros chat que vous aurez jamais vu de votre vie. Je le sais qu'il me manque un ongle et que c'est absolument dégueulasse, mais on va faire comme ça. Faites pas ça. Cette vidéo-là, j'ai décidé de la faire parce que vous allez rire de moi puis vous aimez ça rire de moi, fait que... Go! Il y en a qui me suivent ici juste parce que j'ai un accent québécois. Sachez que je suis québécoise, mais en plus, j'ai rien de la Gaspésie. Donc, ça, c'est comme plus creux encore. Fait que ça se peut que je dise des expressions que une québécoise typique de Montréal ne dirait pas, ou peut-être que oui, je sais pas, c'est comme ça que je parle, il y a plusieurs types d'accent français, plusieurs types d'accent québécois, whatever. Donc, vous allez pouvoir rire de moi tous ensemble, on va pouvoir bander puis faire comme oh my god, tu parles mal, puis là vous allez me le dire dans les commentaires, ça va être parfait. Donc, go. Arrête de faire ça, s'il te plaît, petit gars. Arrête, il y a une arête dans mon poisson. J'aime le chocolat en cul. Je vais faire un cours de danse de poteau bientôt. Puis c'est même pas une joke. Je vais faire un défi un mois à apprendre la danse de poteau. Puis ça va être sur ma chaîne YouTube dans environ un mois et demi, deux mois. Oh, check! Il y a une grosse de baleine qui saute dans l'eau. J'aimerais ça avoir du beurre sur mes toasts, s'il te plaît. J'ai vu vraiment plein de bonheur dans mon cœur présentement. Allons cueillir des bleuets. Ce matin, il faisait vraiment beau. Ce soir aussi, il est supposé faire beau. Les pâtes du chat. Oh bébé. Des pâtes avec la sauce à spag. Je te prendrai une bonne grosse tranche de cantaloupe, s'il te plaît. Maman, papa, je vous aime, je m'ennuie. Je suis allée au zoo dernièrement. Check, je flatte un animal. En fait, je le flatte pas vraiment parce que c'est un bison puis ça fait fucking peur des bisons. J'ai 20 ans, ça c'est mon âge. J'ai pas de garage. J'essaie de faire des phrases parce que j'ai l'impression que ça m'aide. J'ai dit plusieurs reprises déjà dans cette vidéo, le chat, là, qui ronronne. Oh, t'es bien cute! Je parle français, c'est pas le même que le tien, mais je parle français. Je vis à Montréal puis annonce tout le temps des tempêtes parce qu'ici il fait fret à l'année longue. J'ai ici mon ordinateur pour pouvoir lire les mots, puis je google des affaires, je google. Je m'en vais sur Google. En fait, c'est parce que moi je le dis en joke, je vais aller sur Google. Fait que je suis comme Google, Google. Non, je dis Google, Google, Google. Je m'en vais sur Google. Moi, j'attache jamais ça des lacets, je fais juste faire ça avec mon pied pendant 20 ans. Donc, mes lacets sont toujours inutilisés, comme quelqu'un d'autre pourrait faire. Qu'est-ce que tu utilises pour contrôler la télévision? Une manette. Qu'est-ce que tu utilises pour te moucher? En fait, c'est très rare que je me mouche, je vais souvent juste utiliser mon doigt. Sauf quand je suis en public, je vais utiliser des Kleenex. Comment s'appelle ce que tu utilises pour envoyer des textos? Mon cell? Mon iPhone? Comment appelles-tu les véhicules sur les routes? Des chars. Comment appelles-tu les machines pour boire de l'eau dans les endroits publics? Des abreuvoirs. Comment appelles-tu le ruban qui sert à coller des trucs? Du scotch tape. Je parle normalement comme une troqueuse. Où peux-tu acheter de la nourriture? À l'épicerie. Où peux-tu acheter des vêtements? Dans des magasins. Au centre commercial. Comment appelles-tu un vêtement chaud à capuchon? Une veste, une capuche, une doudoune, un hoodie, là. Comment appelles-tu les sandales que l'on porte pour aller à la plage? Des gougounes. Comment appelles-tu les petites chaussures ouvertes que portent les filles? Des ballerines. Que peux-tu faire pour ne pas que tes cheveux soient bouclés ou ondulés? Les aplatis? Fuck! J'ai hâte de savoir ce que vous autres vous allez dire. Comment appelles-tu le fait de manquer volontairement des cours? Sécher des cours, foxer... j'ai fait ça souvent, moi, ça. Manquer de l'école, là. Et on sait quoi je disais dans le temps? Comme ça faisait 1000 ans, j'avais pas été au secondaire. Comment appelles-tu le sport dans lequel on marque des buts en envoyant le ballon dans le filet adverse? Le soccer. Comment appelles-tu le sport dans lequel on marque des touchdowns? Football. Au foot. Je pourrais essayer de le faire en français. Arrête. Une arête. Du chocolat. Un poteau. Une baleine. Du beurre. Le bonheur. Des bleuets. Un matin. Un soir. Une pâte. Des pâtes. Du cantalou. Maman. Papa. Un zoo-âge. Garage. Chat. Français. Tempête. Ordinateur. Google. Lacet. Quelqu'un. J'ai très hâte de voir les réactions. Viens rejoindre la communauté. Puis dis-moi dans les commentaires tout ce que toi t'aurais pas dit comme ça parce que tu parles probablement mieux que moi. Ok, bye! Full love.